Et salut à tous, c'est Expert Mineur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous montrer un petit village pour hôtel de ville de niveau 4. Farming. Enfin, farming, il farm, mais bon, voilà. C'est qu'un hôtel de ville de niveau 4 quoi, donc c'est pas super super. Et ensuite, j'irai vous montrer un petit peu l'avancement sur le gros compte. Donc je commence tout de suite à faire le village, hein. Voilà, donc on peut voir que j'augmente un peu mes réserves là. Le corps des réserves de niveau 4, je sais, mais bon, voilà. J'ai complètement zappé de les augmenter. Ok, ça lag un petit peu, mais c'est normal. On va mettre les tours marchés ici. C'est le village que j'ai en ce moment, donc au pire, il défend plutôt bien, mais bon. Au niveau de trophée où je suis, il défend pas très très bien, vu que j'ai rush hier les 1250 trophées, j'ai réussi. Et du coup j'ai ma troisième petite cabane d'ouvriers. Pour ça d'ailleurs que j'augmente un canon au niveau 5 ici. Donc et en même temps, bah aujourd'hui on est jeudi. Il est 10h25. J'ai pas cours de la matinée. C'est tranquille, c'est tranquille. Donc j'ai le temps de tourner plusieurs petites vidéos de Clash of Clans. C'est pour ça qu'il doit y en avoir un peu plus en ce moment. Voilà, et on peut aussi voir que j'ai tous mes murs niveau 4, ce qui est pas mal pour un HDV4. Étant donné que les murs niveau 4 sont un peu durs à avoir vu qu'ils coûtent 10 000 balles et que moi j'ai que 100 000 de réserve. Il me semble que celui-là il est là. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc ensuite je vous montre un petit peu l'avancement sur le gros compte. Parce que sur le petit compte, c'est bien de voir l'avancement, mais voilà. C'est pas non plus le meilleur truc qui peut... Ah non, je vais pas faire ça, je vais juste faire ça. Donc, je me suis un petit peu trompé sur le village, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Hop, on va désactiver la gomme. Ici, il me semble... Il faut qu'il y ait un espace entre les deux en fait. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté pour les extracteurs d'élixir. Voilà. On va en mettre un ici. Là j'ai bien fait là, par contre. Normalement il devrait me rester plus que 5 murs. Voilà, parfait, donc ça c'est le bon village. On va mettre des bombes ici. Vous allez mettre votre hôtel de ville là. Donc il n'est pas couvert par le mortier, mais c'est ce que je voulais. Et il n'est pas non plus couvert par le château de clan, c'est ce que je voulais aussi, parce que sinon il trouve mon château de clan se déverse. S'active alors que je voulais pas, donc bref. Alors je vais mettre... Je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Vous allez mettre vos 5 petits trucs restants ici. Coucou Founi, volant d'Ireux. J'ai marqué coucou YouTube. Je rec. Voilà. Donc voilà, coucou Founi volant qui dit coucou YouTube. Salut à toi. Et ici... il va nous dire qu'il est pas court, mais on le sait très bien vu que je viens de vous le dire en fait. Cool, mais je m'en fous qu'il n'y arrive pas très tard. Voilà, donc je vais faire ce petit comme ça. Donc si les gens ils attaquent directement l'hôtel de ville, ils mettent leurs troupes ici et on passait par ces petits pièges à ressort. Mais bon, c'est pas non plus the meilleure défense les pièges à ressort. Ici on va mettre un autre petit je m'en fous. Voilà, on va faire comme ça, c'est plutôt bien. Ensuite on met le laboratoire ici. On va mettre une caserne là, tiens, et puis on va mettre une cabane d'ouvriers ici. Donc voilà, comme ça qu'on fait pour moi un village hôtel de ville de niveau 4 farming. Donc avec tout même petit rempart niveau 4, donc je vais sauvegarder le village évidemment.
Donc voilà. Je vais demander des troupes, tiens, hop, tout. Je vais déjà m'en donner avec mon deuxième compte. Donc parce qu'on vient d'attaquer. On vient de m'attaquer, mais on m'a fait 21%. Oh, je devrais regarder. Ok, je vais recevoir des archers niveau 5 de la part de mon deuxième compte. Voilà. Et puis bah j'attaque avec 30 archers, 30 barbares. Et d'ailleurs ce soir j'aime bien mes camps militaires pour avoir plus de troupes parce que je trouve que j'en ai pas assez. Et puis bah voilà, donc je vais faire une petite attaque, puis après je pense que je vais vous laisser là pour le moment. Puis si vous, voilà. Et puis si vous voulez, je pourrais aussi vous montrer des vidéos de... Ah oui, il faudrait que je vous montre un truc, c'est... Est-ce qu'il y a encore? Il me semble que non. Ah ouais. Regardez, parce que hier, il me semble, avec mon deuxième compte, j'ai attaqué quelqu'un et... Regardez le bonus qu'il y a à prendre. 552 000 or, 493 000 élixirs et 4 000 élixirs noirs, enfin 3 600. Que bah j'ai galéré, mais je crois que j'ai pris quand même 200 000, donc plutôt pas mal. Puis j'ai fait une étoile, donc voilà. J'ai tanké là-haut parce qu'il y avait un truc, une mine d'or niveau 12 pleine. Et ça, franchement, je me suis dit, si je l'ai, c'est parfait. Puis il y a sa reine, mais bon, sa reine elle est pas très résistante, donc elle est vite partie. Il y avait quand même une testade niveau 5 qui m'a fait très très mal. Ça one shot quasiment mes archers. Mais bon, c'est pas grave. Je lui ai pris aussi pas mal d'élixirs noirs vu qu'il avait une foreuse de niveau 5 qui était plutôt à portée de main. Et on peut voir quand même que je lui ai pris pas mal de ressources. Donc oui. Par contre sont morts. C'est mort. C'est 6 et 7 m'ont fait si mal. Waouh, très très mal. Mais bon. Voilà. Et puis là je crois que j'ai arrêté. Bon, c'est pas mal. J'aurais pu prendre plus, mais j'avais pas l'armée pour. Donc, bah, j'ai abandonné la bataille, mais j'ai quand même gagné des trophées. Donc, voilà. Ok, il y a un commentaire qui me fait partager une vidéo. Très intéressant, mais bon, on va déjà faire une petite attaque en multijoueur. Ah, j'ai un bouclier, pas grave, on va le défoncer. De toute façon, je suis là jusqu'à 12h et j'aurai le temps d'attaquer en plus. En plus, je me suis levé pour rien ce matin là, ça m'énerve ça, mais bon, pas grave. Alors, il faudrait qu'on trouve une bonne, un bon petit village. Là il y a que des HTV7. Ah, c'est énorme. Ah, ou 191 000 d'or, 197 000 d'élixir, c'est pas mal. Je veux juste l'or. On va mettre quelques troupes comme ça. Ici il y a un petit canon niveau 1 qui va pas trop me faire mal. Là il y en a un niveau 2, il fera déjà toujours plus mal qu'un niveau 1, ça c'est clair. Dans mon château de clan, je ne sais pas ce que j'ai. Il me semble que j'ai des archers du coup. Le niveau 5, ce qui pourrait m'être utile. Mais je ne cherche pas à faire l'étoile vu que je cherche surtout à descendre un petit peu en trophée là. Étant donné que c'est pas trop ma ligue ici et que je me fais défoncer plutôt rapidement, mon village ne résiste pas trop. Mais bon, le dernier qui m'a attaqué, il m'a attaqué avec mon hôtel de ville. Donc si vous voulez voir, enfin je vous montrerai un peu le replay. Donc on peut voir que je vais faire quand même 25% à peu près. Si, 25%, oui, c'est pas mal, 25% sur un HDV7. Je suis content. On fait le 30%, 30%. Allez. Payons fou, on va faire 29% évidemment. 29%, c'est très très bien. Et moins 25 trophées, mais ça je m'en fous. Et j'ai pris 113 000 d'or, soit la totalité de ma réserve en gros. C'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qui baragouine lui? Alors je vais lire mes défenses aériennes ou pas, level 5. C'est 6 jours ces trucs-là. On va lui rendre visite. Tout d'abord. Il n'a rien changé à son village en fait.
Ah si, depuis la dernière fois ça a changé, mais là j'ai Tyrion 5. Moi je dirais déjà fais ta Tesla, hein. Fais ta dernière Tesla, j'allais dire ça. Alors j'allais dire de faire sa dernière Tesla, voilà. C'est pas grave. Sinon. Oui, le replay. T1, je n'ai pas vu. C'est un HDV5 qui m'a attaqué, je pense. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ouais, donc voilà, vous avez vu, ça c'est mon ancien village, donc c'est l'autre truc. Donc si vous voulez prendre l'autre truc, c'est pas mal. Il a activé mon château de Lyon et dedans il y avait une Valkyrie de niveau 1 qui a pas mal défoncé tout. Mais bon, il a réussi à me la destroy, je pense. Et bon, bah voilà. Pas très grave et ça fait très mal, ça fait pas mal de dégâts de zone les Valkyries. Du coup, regardez à la vitesse où ça défonce ses troupes. Là, son groupe d'archers va partir en fumée, il va rien comprendre. Ouais, voilà, ça c'était beau quand même, le groupe d'archers qui meurt. Ah, mais bon, il a quand même réussi à me prendre mon HDV, pourtant je n'ai pas tant de ressources que ça. Enfin, je veux dire, j'ai à peine 25 000 or. 25 000 élixirs à prendre. C'est pas énorme. Personnellement, je me serais pas attaqué, mais bon, effectivement, après. J'avais envie de m'attaquer, le gars. Et il a juste. Il m'a fait 21%, donc il m'a dû redétruire. Ah, voilà, il m'a détruit en fait juste. Un autre bâtiment, donc le laboratoire. Voilà, donc on peut voir qu'il s'est fait totalement défoncer et qu'il m'a pas pris grand chose. Juste quelques troupes comme. Quelques. Mince. Quelques ressources par-ci par-là, mais il m'a pas pris la totalité de mes ressources. Donc je sais pas ce qu'il faut pendant les 40 dernières secondes. Là, je vais accélérer pour voir s'il pose ses dernières troupes. Ou s'il ne les pose pas, tout simplement. Il ne les pose pas apparemment. Ok, donc il ne les pose pas et ça sert seulement à rien ce qu'il a fait. Il a perdu totalement. Et voilà. Donc là je suis full, j'ai tous mes murs niveau 4. Donc on peut voir quand même que mon petit village de la dernière fois a pas mal augmenté. Et j'ai dit que j'ai montré mon deuxième compte. Qui est passé niveau 71. Qui est plutôt pas mal. Donc bon, il n'y a pas trop d'avancement étant donné que c'est très long, les améliorations. Et le prochain gros avancement, ça va être ce soir, vu que j'aurai mon troisième mortier niveau 6. J'aime bien mon réservoir d'élixir noir parce que j'ai que ça amélioré. La Tesla camouflée niveau 3, j'améliore aussi. Et j'améliore une caserne niveau 9 pour avoir les dragons. Enfin les dragons. Puis je vais améliorer toutes mes casernes au niveau max pour avoir les PK. Et là, je retournerai en GDC car je ne suis pas en GDC. J'améliore mes casernes, je ne me mets pas en GDC parce que je trouve que ça sert à rien se mettre en GDC quand on n'a pas toutes les casernes. Déjà que ça prend masse temps pour enfin ça, bon bref. Alors on va voir un petit peu son attaque, donc je vous la mets en fond et je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Je vais pas être actif pendant 5 jours, 6 jours même. 6 jours. Ouais, 6 jours. Pendant 6 jours, je ne serai pas actif étant donné que je ne suis pas là, je pars en voyage en Angleterre. Donc voyage organisé par. Mais bon bref, on s'en fout au pire. Voilà, donc je pars une semaine en Angleterre et je serai pas là pendant 6 jours, donc. Vous étonnez pas si vous n'aurez pas de vidéo pendant ces 6 jours. Ou alors, peut-être, je ne sais pas. Non. Cette vidéo de Clash of Clans, de toute façon, devra sortir avant. Que la vidéo de Clash of Clans sorte un peu n'importe quand. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est ça. Que pendant les vacances de Pâques, là. De Pâques. Waouh! Faut que j'arrête. Les vacances de Pâques sont déjà finies, c'était 3 jours. Pendant les vacances scolaires là d'avril-mai, je ne serai pas là du tout pendant les 2 semaines, étant donné que je pars en Amérique centrale pendant 2 semaines. Et je ne sais pas si je pourrais.
si j'aurais une connexion en fait. Puis normalement je devrais pas en avoir. Donc bah je ne serai pas très très actif cette semaine-là sur YouTube ni sur Clash of Clans d'ailleurs. Donc pour ça vous n'aurez pas trop de vidéos et faudra que je retourne des vidéos en plus là parce que je n'ai plus beaucoup en stock. Donc bah voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire que je ne serai pas là, ça je l'ai dit. Donc bah ouais, voilà. Je vous dis à une prochaine fois, peut-être pour un nouveau tuto sur un nouvel hôtel de ville. Je veux dire pour vous faire peut-être un hôtel de ville niveau 4 rush. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À plus!